lait qui brassé et puis mettez dans bouteille en Haïti, selon sa responsable fait connait. D'après Lorraine Lavoie, directeur marketing Branaa, Turbo King nan c'est un bière qui déjà gagne une dimension internationale et qui sorti en Afrique. Il y a 6.5% alcool là-dedans. Lorraine Lavoie, t'es dans micro Gavin Ricardo Jean-Jacques avec Mackinson Paul. Il y a à peu près 170 marques bière à travers le monde et son bière qui est lancé et en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, d'où Corée Lyon, qui c'est le symbole d'une vague qui est plus importante qui est en Afrique. Et nous faisons plusieurs tests en Haïti avec les consommateurs et nous voyons que son bière qui est un pire avenir ici en Haïti. En tout. C'est une bière brune, qui est 6.5% d'alcool, et tandis que Prestige, son American Style Lager, qui est 5.6% d'alcool. Nous parlons tout du produit pour faire concurrence, nous parlons tout du produit pour nous bailler consommateurs. Le choix. Même gens que nous gagnons Heineken, nous gagnons Guinness, nous gagnons Prestige, nous avons introduit Turbo King et du fait que nous avons agrandi brasserie, nous avons investi dans une nouvelle salle de brassage, une nouvelle ligne de production, nous avons continué à introduire une nouvelle bière. Parce que lorsqu'il y a plus de choix, il est plus bon pour vous comme consommateur. Vous n'êtes pas obligé de boire même bail à chaque jour. Vous n'êtes pas fatigué de boire même bail à chaque jour. Vous n'êtes pas obligé de dire on vit bon Guinness, ou on vit bon Prestige, ou on vit bon Heineken, ou on vit bon Turbo King. Et bientôt, il y a l'autre bière qui a pensé bientôt qu'on a plus choix pour lui tout. Selon spécialiste dans brassage Branaa, Antoine Fils Saint-Éloi, bière Turbo King nan, c'est une boisson moun ki gen pou pipiti 18 ans ka bwe. Soubopal, manager communication compagnie Renaud Robert Juste, fait qu'on ait omete produit ça sous marché a, yon manye pou yon offrir consommateur haïtien yon plus variété bière nan choix boisson y ap fait. Yon après l'autre, Antoine Fils Saint-Éloi ak Renaud Robert Juste. Dans la boîte, pour nous arriver vini avec Turbo King, une recette qui est plus adaptée à marché haïtien. En termes de qualité et de sécurité alimentaire, Heineken est vraiment très exigeant. Et à chaque pas dans le projet, nous assurons que tout ce que nous faisons, nous respectons tous les paramètres de qualité et de sécurité alimentaire. En termes d'ingrédients, Prestige est fierté haïtien. En termes d'ingrédients, le produit a l'égard dans le malt, l'égard au blanc. Pour amertume, il y a de l'eau, il y a une levure qui est utilisée pour fermentation du produit et enfin il y a un caramel là-dedans. Donc, en termes de qui produit local que nous avons là-dedans, dans la brasserie nationale, il y a une céréale qui est plus adaptée pour faire bière, c'est malt. Okay? À cause de amidon qui est plus riche pour nous avoir un sucre que nous avons besoin. Mais par contre, l'autre céréale là, il y a capable de faire bière. C'est ça qui fait que, après que nous avons introduit et petit mil dans Malta. Actuellement, la litre à 10%, nous augmentons à 20%. Nous avons introduit le Guinness. Okay? Nous avons fait à 10%, nous avons fait à 20%. Donc, c'est-à-dire que dans la diversité de produits que la brasserie nationale a mené, donc c'est une façon en plus pour nous capables d'introduire encore plus de produits locaux et produits que nous-mêmes que nous avons fait dans la brasserie nationale. Turbo King est positionné entre Guinness Noir et Prestige Noir. En termes de prix, c'est une bière brune qui est brassée et embouteillée en Haïti par la brasserie nationale d'Haïti. Donc nous tout cas essayer, nous tout cas consommer, il est présent déjà sur le marché haïtien. Nous invitons toute population à consommer produit ça, c'est produit qui fait la caille nous, qui est embouteillé la caille nous. Après étude du marché, nous consommateurs en Haïti, il n'y a pas trop de choix. Nous n'en c'est pas qu'à son seul bien la boîte tout à fait. Je dis boire tel type de bière, faut pas boire telle bière. Donc nous élargis choix consommateur à bouler. Donc nous pas ouais consommateur tant qu'on est obligé de consommer seul produit. Qui n'aime c'est pour stratégie marketing nous t'es fort replier sur lui. C'est pas échouer, c'est pas tomber, n'importe qui l'a attendu le refaire surface. C'est juste un choix que nous t'es fait pour nous t'es pousser en l'autre bonne plus que les. Sénateur Yuri La Tortue a annoncé la présence dans Livre en Folie jeudi pour signer des livres Petro-Caribé, Mon combat pour la reddition des comptes, Le devoir de servir. Yuri La Tortue fait qu'on est dans Livre sous Petro-Caribé, il présentait un ensemble de paramètres qui montraient comment l'agent Petro-Caribé a été gagoté. Sénateur Yuri La Tortue, dans Miko Vilner Joseph, à Colin Île-de-Rest. Principalement, présenté le jeune défait au mois de décembre, Livre que m'écrit Petro-Caribé, Mon combat pour la reddition de comptes. Livre ça, c'est après 29 avril, 28 avril, jour où quitté Café Trio, que m'te ouais, ça qui t'est passé, acte théoriste qui t'est produit sous deux sénateurs, moi-même un sénateur Jacquito, et nous t'es pensé que, eh bien, mieux vaut que nous écrit
livre que nous avons distribué dans toute université, dans classe philo, rito, dans la société civile là, pour nous continuer à faire plaidoyer justement sur Petro-Caribéa en attendant que justice faite, parce que la justice faite, on va le recommencer avec conférence. Et nous, dans le livre ça, justement, nous expliquer, eh bien, pour qui ça, enquête ça, nous fait comparaison de ça, comme ça a fait à ça, l'été qu'a fait, qui était qu'a fait pays à marcher, et en même temps, nous dit pour qui ça que nous-mêmes nous pas voulons que le dossier à l'encontre des comptes, c'est au niveau de la justice, avec des faits à l'appui, faits justement qui passaient sous 5 gouvernements. Donc, en gros, quoi que je dis, comme nous toujours fait avec journalistes qui représentent dans le Parlement, eh bien, nous toujours présenter le livre là, et c'est peut-être ça nous fait. Mais à côté de livre ça, nous avons un livre que nous avons fait déjà présentation, Le devoir de servir. Nous avons avec nous tout, et demain, puisque nous avons un livre en folie, avec deux livres ça, Petro-Caribé, mon combat pour la reddition des comptes, et Le devoir de servir, œuvrer à renforcer l'État. Le devoir de servir là, son livre qui parlait de bilan comme président, qui était sorti depuis décembre, au niveau, moi j'ai dit député, sénateur, que moi j'ai distribué, mais il va le faire une grande sortie publique demain, 31 mai, au niveau du musée du Mubana, côté Livre Folie, va le faire. Donc, encore une fois, moi je crois que public, premier public cible que nous toujours gagnons dès que nous publions un livre, j'ai défait en décembre, et encore cette fois-ci, ces journalistes que moi félicité et que je connais que avec lecture de l'ISA, il y a fait plus d'interviews avec justement dans les semaines et dans les jours à venir, puisque chaque journaliste pourra bien possibilité de garder et peut-être poser des questions. Mais pour le moment, m'attends que tout le monde demain dans Livre Folie pour que Livre Sayo, justement, qui va à la disposition du public. C'est vrai, vous avez développé l'idée, en fait, vous avez expliqué nous là, l'idée qui développe dans le texte, dans l'idée centrale là. Mais est-ce qu'on va avoir une explication sur le texte, par exemple, une présentation plus ou moins détaillée, mais c'est ça. Mise en contexte, nous te dit que après Café Trio, Jean-Louis, nous retrouvons. Ça a été situé à l'intérieur de rige de système, pas son rige qui vient avec système. C'est un système qui est à travers les régimes, que ce soit le régime du président Rival, que ce soit du président Martelly, à un régime. Le régime, c'est quoi? C'est permettre que comme ça a débloqué sous des situations d'urgence, côté pas gagner ni appel restreint, et côté chaque monde utilisé clan politique par eux pour les contrats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans les contrats sont donnés, eh bien, il y a justement une surfacturation qui permet les retours. Et, dans loin toujours, garder le contrat à bail, ils ne pas utiliser comme là du tout pour faire contrat. À partir de ce moment, nous montrer, il y a au moins $1 milliard qui est gaspillé, ok, à travers projet qui pas fait et projet qui est sur facturation. Et nous montrer que dans 5 secteurs, l'éducation, l'agriculture, la santé, les infrastructures, et puis nous prenons l'énergie à pas, nous montrer que si comme ça, dans le domaine, mais qui bon nous. Et c'est peut-être ça, nous dit que l'important que le président mande un moratoire pour que ça. Comme l'y a pour le service de la tête, là, que l'investir dans le secteur ça yo, et que le bagay yo clé, que nous connaissons exactement comment comme ça a passé, le Sahara donc a décidé comment c'est payé. Parce que justement, il y a une mafia, moi j'ai dit haïtien et vénézuélien, côté que n'a pas été ambassadeur vénézuélien a dit comme l'a bien utilisé, alors que dans la réalité, nous avons mal utilisé. Mais c'est parce que Venezuela, vous voyez, comparé le tout, et bien l'imposé, puis vous payez le par mois. Pour faire service dans Delco pour $1 million. Venezuela a bien comparé le côté que les a payé dette là, et bien c'est Vénézuélien avec Haïtien qui ont comparé ici, qui recevra comme là par le Venezuela. Donc, il y a une sorte de mafia qui existait, qui fait que je dis, nous pas qu'à dire que nous payons comme
alors que on mafia a décidé de manger comme ça. Donc dans ça ça moi crois que livre là pour aider grand public là étudiant comprendre ça qui passé là et surtout en mobilisation pour que pendant question devant la justice pour toute société a vraiment mobilisé sous ça pour que yo pas contribuer à payer encore que comme ça qui pas utile pays. Il y a certains nouveaux éléments que nous mettons, mais surtout ça qui est important c'est montrer que c'est à travers un système qui est toujours en vigueur. Parce que le système ça continue à faire des gains dans le budget, il continue à faire des gains dans l'aide étrangère. C'est à travers un système que l'argent ça y passe. À combien de fois vous avez une possibilité de vous dire ça? Livre ça, je crois que livre vend de 1200 gouttes, mais dans livre en folie, une réduction.